Le dernier renouvellement de la Cour constitutionnelle, qui a eu lieu le 14 décembre 2019, a mis en place une Cour composée de 7 membres en violation flagrante de cette disposition. De plus, au moment de ce renouvellement, deux juges de cette Cour, Feu Abdou Asuma et M. Kouami Amadou Toko, avaient déjà effectué plus de 2 mandats en tant que membres de la haute juridiction. Ils avaient donc été désignés en violation flagrante de la Constitution. L'ANC et son président national, Jean-Pierre Fabre, avaient dénoncé ces violations et exigé le respect de la Constitution dans la désignation des membres de la Cour en saisissant la Cour constitutionnelle. Elle-même, ainsi que la Cour de justice de la CEDEAO. Mais, amen. Monsieur Jean-Pierre Fabre, candidat à l'élection présidentielle de 2020, a introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO deux requêtes. Le 3 février 2020, une première requête pour refuser les deux juges de la Cour constitutionnelle togolaise, Abdou Asuma et Kouami Amadou Toko, désignés en violation de la Constitution togolaise, en ce qui concerne la limitation à 2 des mandats des membres de l'institution. Le 7 février 2009, une seconde requête pour annuler l'article 48 de la Constitution dont la procédure d'adoption par l'Assemblée nationale est arbitraire, donc illégale, et subséquemment pour invalider la candidature de M. Paul Assimé. Ces requêtes ont fait l'objet d'un rejet au motif que le révérend n'a pas apporté la preuve de préjudice direct et personnel. Par ailleurs, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle stipule en son article 8, alinéa 1, en cas de décès, de démission volontaire, de démission d'office ou d'empêchement définitif d'un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les 36 jours. Le président de la Cour constitutionnelle, Feu Abdou Asuma, est décédé le 6 mai 2023. À ce jour, près de 6 mois, soit 180 jours après, il n'est pas pourvu à son remplacement, ce qui constitue une violation flagrante de la loi organique précitée. Aujourd'hui, l'effectif de la composition de la Cour constitutionnelle est seulement de 6 membres au lieu de 9 membres prévus par la Constitution. 3 sièges sont donc vacants, dont 2 à pouvoir par le Sénat. Or, le 16 septembre 2023, la présidente de l'Assemblée nationale a lancé un appel à candidature pour élire 2 membres de la Cour constitutionnelle. On s'est interrogé sur la pertinence de cet appel. Il apparaît ainsi que pour la composition et l'extension de la Cour constitutionnelle togolaise, le pouvoir est démuni dans cette étude. Vient d'engager une procédure opaque qui ne semble reposer sur aucune disposition légale ou constitutionnelle en vigueur. Il est donc déplorable que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de l'État, l'organe régulateur des institutions de la République, chargé de la régularité des consultations électorales, référendaires et des contentieux électoraux, soit au cœur des graves violations de ses propres règles de fonctionnement ainsi que de la Constitution, dont elle est chargée de garantir la bonne application. Dans ces appels, donc, le gouvernement a organisé un débat sain et constructif sur la Cour constitutionnelle en vue d'arrêter consensuellement les modalités pratiques pour la recomposition et l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle. La HAC, puisque nous parlons des organes impliqués dans le processus électoral, la HAC, la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 a consacré la haute juridiction de l'audiovisuel et de la communication acte. Cette loi a été modifiée respectivement en 2009, 2013, 2018 et 2021. L'article 6 nouveau, issu de la dernière modification, dispose la HAC comprend 9 membres, dont 3 désignés par le président de la République et 6 élu par l'Assemblée nationale. L'article 8, alinéa 1 de cette loi organique dispose
Le mandat de la hâte est de 5 ans, renouvelable une fois. Tout comme pour la Cour constitutionnelle, la loi organique relative à la hâte fait l'objet de multiples violations en ce qui concerne notamment l'exercice de la composition, le remplacement de ses membres et le renouvellement de leur mandat. En effet, après une démission, l'exercice actuel de la composition de la HAC est de 8 ans au lieu de 9 prévu par la loi. De plus, ayant prêté serment depuis le 9 juin 2016, ils sont toujours en place alors que leur mandat a expiré depuis 2021. Un an après la fin de ce mandat, la présidente de l'Assemblée nationale a lancé le 19 janvier 2021 un appel à candidature pour le renouvellement de ces 6 membres de la HAC au titre des membres élus par l'Assemblée nationale. Ce processus en est géré envers et contre la loi. Par ailleurs, le président de la République n'a pas encore, lui non plus, désigné les 3 membres dont la nomination lui incombe conformément à la loi. L'ANC appelle donc le gouvernement à rechercher un consensus autour des modalités pratiques pour la mise en place rapide du renouvellement de la HAC. La CENI. Les membres de la CENI actuels ont été élus le 24 mars 2022 pour un mandat d'un an renouvelable, conformément à l'article 19 du Code électoral. Ce mandat a expiré en mars 2023 et une nouvelle CENI pourrait dû être installée depuis plus de 8 mois. Pourquoi le gouvernement ne procède-t-il pas au renouvellement de la CENI, conformément à l'article 19, alinéa 1 subdivisé? Quelle est alors la validité et la crédibilité des actes que pose une CENI non conforme à la loi et donc illégale? À qui ces actes peuvent-ils être opposables? Comment comprendre qu'après le chef de l'État eu annoncé dès le 31 décembre 2021, puis confirmé le 27 avril 2022, que les élections régionales et les élections législatives soutiendront cette année 2023? La CENI mise en place en mars 2022 ne soit pas en mesure, car après plus d'un an d'exercice, d'établir et de publier le chronographe des élections. Au demeurant, il convient de relever que le compromis obtenu en 2018 sous le titre de la CEDEAO pour une composition paritaire de la CENI avec un président neutre n'a jamais connu un début d'application. Si bien que dans sa composition actuelle, la CENI sortante est demeurée largement déséquilibrée en faveur du pouvoir des députés unis, avec le surcroît, comme président, un ancien député du RPT uni à l'Assemblée nationale, actuellement secrétaire exécutif adjoint du Parti uni, M. Yamé Dako, qui, pour les besoins de la cause, a sans honte revêtu la cause du président de l'association de la société civile. Voilà comment le système RPT uni met en place un président neutre à la CENI. On comprend dès lors que sous la présidence du secrétaire exécutif agent du Parti uni, la CENI est entièrement acquise à l'agenda du gouvernement qui est à la manœuvre dans la préparation des prochaines semaines. On comprend aussi pourquoi. Le recensement électoral lancé avec une trilogie de dysfonctionnement est demeuré inachevé dans la zone publique. Malgré les protestations et les revendications légitimes de la plupart des acteurs politiques et de la société civile qui n'ont de cesse d'exiger la reprise et le parachèvement de ce renseignement dans la région la plus peuplée du pays. C'est pour la défense du même intérêt partisan que le gouvernement et la CENI sont-ils à refuser d'accéder à ces exigences, violant ainsi de manière flagrante à la fois la Constitution et le code électoral. L'ANC n'a cessé de multiplier les courriers adressés au président de la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale et même au chef de l'État pour pointer du doigt les insuffisances inhérentes au processus électoral au Togo, rappeler l'absolue nécessité de la mise en œuvre des réformes électorales en avance et régler les questions liées à la composition et au fonctionnement des institutions impliquées dans le processus électoral. Amen. Si bien que la composition de la CENI continue d'assurer au pouvoir en place, comme toujours, une majorité confortable pour manipuler cette institution à sa guise. La double vérification que permet la biométrie intégrale
et l'authentification des bulletins de vote par signature, acceptés par la CNAM, ont été rejetés par le gouvernement, ce qui illustre le manque total de volonté du pouvoir en place d'assainir le cadre électoral de notre pays. Les auteurs d'horaires, décidés de façon constatée par la CNAM, pour l'établissement des pièces d'identité au Togolais qui n'en disposent pas, ne sont pas mises à l'œuvre par le gouvernement du député unis. La seule fichier électoral, la question du découpage électoral dont nous venons de parler, etc. Voilà autant de questions autour desquelles l'ANC appelle le gouvernement et les acteurs politiques à se concerter en vue d'améliorer la qualité des scrutins dans notre pays, d'éviter que les institutions chargées des élections au Togo ne s'emploient à verrouiller le processus en amont comme en aval et délibérément au profit exclusif du pouvoir en place. En somme, veiller à ce que les élections du Togo deviennent une compétition saine, équitable, transparente et sans aucune forme de violence, et non une formalité destinée à garantir la victoire certaine de la communauté humaine. La Cour suprême. Les dernières élections municipales qui sont les premières du genre depuis plus de 30 ans ont révélé que cette juridiction ne semble pas préparée et outillée pour le traitement efficace et le règlement satisfaisant des contentieux électoraux relevant de son ressort, avant, pendant et après le scrutin. De plus, la Cour suprême traite les élections suffisantes qui retardent considérablement le traitement des requêtes de remplacement des conseillers municipaux pour cause de démission ou de décès. Ces procédures sont mal connues par les autorités de tutelle des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale. Les Togolais se demandent si l'Assemblée nationale est véritablement la représentation nationale, de par les actes qu'elle pose, surtout le vote des lois fédérales, qui renforce la dictature et le régime d'exception dans notre pays. Les députés de la législature en cours, issus des législatives du 20 décembre 2018, se sont bien singularisés par le vote des cavaliers législatifs au mépris des principes du droit parlementaire. En effet, en 2019, lors de l'adoption du projet de loi modificatif de la Constitution, les députés individuellement ont proposé et fait adopter par l'Assemblée nationale des articles non prévus dans le projet de loi gouvernementale qui ne concernaient que les articles 59, 60 et 100 de la Constitution. Il s'agit par exemple de l'article 58 de la Constitution ainsi modifié pour permettre à Fonda Nassibaye de briguer un quatrième mandat alors que le mandat ne peut être renouvelé une seule fois. Voilà les travaux de l'Assemblée nationale. Monsieur le conseiller spécial, je vous remercie.